Eh bien, salut tout le monde, c'est Full Game 7, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre épisode 52 de Tales of Berseria sur PC. J'espère que vous allez bien, en tout cas, ça va très bien. Dans l'épisode précédent, assez sympa pour une fois. Donc, on avait affronté le démon de Melkior qui se trouvait être malheureusement Aefrid, le fameux pirate, qu'on a été contraint d'éliminer parce que il n'y avait pas d'autre solution. Mais avant de mourir, il nous a quand même informé de. D'une bonne information, c'est que pour l'instant, Labaï et Innomina sont occupés vraiment à leur objectif principal, c'est-à-dire purifier, faire leur magouille. Mais on a appris qu'il fallait qu'on réveille les 4 empyréens, les 4 autres, donc des 4 éléments, hein, pour faire simple, pour potentiellement atteindre Innomina et l'affaiblir et également de pouvoir le battre, quoi, tout simplement. Mais on avait aussi appris aussi une grosse contrainte aussi, c'est que Innomina, étant donné qu'il y a plusieurs fragments de lui, c'est-à-dire la Ficette est un fragment d'Innomina, Velvet est un Therion, tous les Therions qui sont liés à Innomina et les fragments également à lui, donc à savoir donc et la Ficette, si Innomina meurt, en fait, ils sont contraints d'y disparaître avec. Donc on a vu la théorie plus ou moins avancée du jeu en mode, bon bah voilà, on sait plus ou moins ce qui peut se passer, donc voilà, si Innomina meurt, ils peuvent y passer également, les héros. Donc on s'était laissé ici, on avait un nouveau bateau, voilà, donc et on devait réanalyser les pages, je crois, c'est ça, du bouquin, avec Grimoire. Donc on va en entendre, je pense qu'on va beaucoup discuter sur les empyréens, où les trouver et quoi faire. 四聖種の復活か。確かにそれが叶えば、カノムシの領域を抑えることができるでしょうね。 カノヌシが封じている精霊の意志も解放されるかもしれません。きっと、タイマ氏に従わない精霊も出てくるよ。タイマ氏の戦力を大きく削げるわね。そもそも、カノヌシによる霊能力の増幅がなくなれば、ほとんどのタイマ氏は以前のように精霊そのものを認識できなくなるはずじゃ。わしのように元から才能があれば別じゃがのう。私もライフセットが見えなくなる。それはやってみねばわからん。 エレノア、なら、やってみましょう。どんなことになっても、後悔はしません。しかし、四聖種って神様だろ？叩き起こして平気なのか？治水火風を司っている奴らじゃ、自然のバランスが大きく乱れるやもしれん。平気じゃなさそうだな。しかも復活させる方法は、おそらく、開門の日と同じだとすれば、 火の夜に、地脈天に生贄を捧げること。誰かを殺すの！殺すことが生贄の本質じゃないわ。必要なのは、汚れなき魂よ。じゃとしたら、ベルベットはすでに持っておるのではないか？食らった大魔師たち。あつらえたように、お主は食らった力を打ち出せるクーマじゃ。 高位タイマシどもの魂なら、生贄としてもう申し分あるまいて。オスカーやテレサの魂で、四聖種を。試してみる価値はある。次の火の夜はいつ？暦によれば、降臨の日の3年後。もうすぐよ。ああ、時間が足りるかな。四聖種は別々の場所に眠ってるんだろ？ええ。おのおの地脈の奥底に眠っているはず。 でも、地脈進展を利用すれば、一気に全員を目覚めさせられるかもしれないわ。地脈進展？地脈の流れは基本水平なんだけど、ごく稀に縦の流れがあるの。力が地脈の底に潜っていく場所を地脈進展。逆に、奥底から力が吹き上がってくる場所を地脈融点というのよ。その地脈進展を使えば、地脈の底にある聖種どもに一度に生贄を届けられるやもしれんの。場所は？ミッドガンド領の北部に進展が一つあるわ。最近大きな神殿が建ったらしいけど。そこは聖種の御座じゃ！カノヌシがおる本拠地じゃし。あら、まずいわね。言うたんじゃダメかな。同じように地の底に繋がってるんでしょ？ 流れに逆らうことになるけど。押し込んで見せろって言うのね。融点はどこにあるんだ？おそらく
キララウス火山あたりだろう。アイゼン。大丈夫だ。話は済んだ。キララウスといえば、ノースガントの最北にある火山じゃな。氷と溶岩の地獄じゃが。まさに。キララウス火山こそ最大の優点よ。要するに、その火山にタイマシの魂をぶち込めばいいんだな。そうすれば、妖精種が復活し、カノヌシの領域を封じられる。あくまで推論ですが。私は賭けるわ。僕も。ノースガンド領に向かうぞ。キララウス火山は、ヘラビーサの北だ。Bien, bon, bah on connaît l'objectif, donc en gros on va devoir utiliser les pouvoirs de Velvet pour... elle va, ce que j'ai compris, elle va libérer en fait les âmes malveillantes, corrompues du moins, qu'elle a absorbées, donc tous les personnes qu'elle a absorbées, en gros, elle va les libérer pour comme sacrifice. En gros, elle sacrifie des parties d'âmes, on va dire, si je comprends comme ça. Mais pour cela, faut qu'on aille réveiller, faut qu'on aille à cette source de vie. Alors, nappe de vie, voilà. Bon, c'est encore un délire, encore une fois. Bon, en tout cas, je pense que vu comme c'est parti, je pense qu'on va être encore parti pour un deuxième acte, entre guillemets, dans le sens, ou un troisième acte plutôt, en mode, voilà, les quatre prochains temples, quatre boss. Exploration gameplay, voilà, comme ça a été le cas pendant une dizaine, vingtaine d'épisodes après notre combat contre Artorius, il y a longtemps de cela. Donc voilà, on va revenir à la base de base, quoi. Bon, bah on est parti, alors, est-ce que vous pensez qu'on peut retourner à... on peut pas, finalement. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les zones aussi, j'ai oublié. Bon, bref. Allez, Quai de la West, très bien, on est parti. オリハルコン星卵は簡単に折れたか。ああ、やられたのはカノヌシにだが、シグレが相手でも同じだっただろう。硬いだけではなあ。すまなかった。柄にもなく無心などとうぬぼれた。うぬぼれていいさ。お前の腕は間違いなく超一流だ。次の刀、期待してるぜ。お前は、まだ俺を信じてくれるのか？当然だろう。世界のどこにオリハルコンを刀にできる家事がいる？そんな名工が、何百年も迷って悩んであがいた末に生まれる刀を、俺は振るってみたい。六郎。それとも、もうゴーランに勝つのは諦めるか？諦めた男の顔に見えるか？全く見えないな。後悔は順調だよ。問題は。アルトリウスたちの儀式とやらにどの程度の時間がかかるかだ。アイフリードは沈めの儀式って言ってた。おそらくカノヌシの力を解放するためのものよ。だろうな。ベルベットの絶望とライフィセットを食えていない以上完全ではないはずだが、発動すれば人の意志が奪われる。そして醜い人の業は静まり、汚れは生まれなくなりましたとさ。めでたしめでたしというわけじゃな。意志が消える。昔の僕みたいに。何かが来る。
これは領域。うん、カノノチノだ。意識を奪われた。まだ完全には意識を封じられておらん。ろくろ、全員殴って目を覚まさせい。任せろ。アイゼン。ああ、一旦近くの港につける。ゼクソン港だ。Elle était courte mais intéressante en tout cas, la petite scène d'animation là. Alors visiblement, ceux qui ont une forte volonté arrivent à tenir. Visiblement c'est ça. あなたは無事だったのですね。いや、私は無事でいてはいけない。私はリオを貪った。他人を蹴落とし利用した。特級手配犯にまで手を貸して事業の拡大を図った。醜すぎる汚れ。許されざる業だ。汚れはなくさなければならない。私は死ななければならない。死ななければ。死ななければ。違う！そんなのって！死ぬのは勝手よ。けど、死ななければならないってのは気に食わない。斧が汚れを自覚した者は自ら命を絶つか。実に無駄のない言葉じゃな。家事を奪うどころか生き死にまで押し付ける気か。ふざけやがって。何が起こってるのか調べるわよ。それとも見たくない？見たいはずないでしょ。でもそれ以上に逃げたくありません。まずはこの力の影響範囲を確かめる。ローグレスまで行ってみましょう。Bien, bon, bah, déjà, on a un bon aperçu, de ce problème, qu'on rencontre. Alors, encore une fois, ça m'a encore modifié mes équipiers. Ça m'énerve de modifier sans cesse mes équipiers, c'est chiant. Voilà, c'est ça que je voulais. Bon, alors attendez, je vais faire un... Oh non, vas-y, flemme. Bon, on sait ce que c'est que cette fameuse cérémonie, hein, c'est que bah, ils volent l'âme des gens, quoi, et c'est un tri sélectif, quoi. C'est très zombie, en tout cas. Hein. Alors, on va leur parler, peut-être qu'on va en apprendre. En fait, il remémore un peu leur vraie personnalité, et en fonction du mal ou du bien qu'ils ont commis, bah, ils décident de se tuer, quoi. Quand ils ont de la malveillance en eux, quoi. Ok, re tout le monde, excusez-moi pour la coupure. J'ai eu un appel téléphonique, vous m'en excuserez. Bon. On va vite fait parler aux gens et puis après on va se diriger direct à notre objectif. Attendez que je regarde sur la carte, hein, je sais plus moi au bout d'un moment. Carte du monde, ok, on est bien là, d'accord. Bien, bon bah on est parti, on va avancer. Voilà, vous m'excuserez, je sais pas du tout où est-ce que je me suis arrêté parce que comme ça a été un appel d'urgence que j'ai eu pendant la coupure, bah j'ai dû malheureusement laisser les chronomètres tourner, donc je crois qu'on était à peu près à 15 minutes je crois il me semble à l'épisode. Bon, écoute, c'est pas grave, on va s'arrêter quand j'estimera que ça sera bon, et puis l'épisode durera ce qui durera. Bon. Alors, est-ce que le marchand, déjà, tu peux me vendre des trucs, fioles de résurrection. Voilà.
Voilà, et améliorer, tu peux pas faire grand chose parce que je crois qu'on avait fait pas mal d'améliorations, je crois. C'est ça. Alors, qu'est-ce que t'as à me dire, toi? Putain, ça fait flipper quand même quand on regarde la mise en scène. Hein. Oh non, ils vont pas reparler de la ménagerie. Ouais, ils sont limite zombifiés, quoi, les gars, quoi, en fait. Un temps insignifiant. Bon, ok, bon, les gars sont complètement à l'ouest. Bon, bah écoutez, on va quitter le lieu. Hein. Alors, ça, on va le faire par contre, parce que ça, c'est quand même pratique. Voilà. Alors, attends, que je sache où on va quand même, parce que je sais plus trop. Je crois qu'on va direct au domaine. Hein. On est d'accord. Hein. Enquêter sur la situation à l'ogresse. D'accord, bah écoute. D'accord, bon, je pense qu'il faut qu'on aille tout simplement. Ok, je pense qu'il faut qu'on aille parler aux gens, je pense, en fait, directement. On va y aller, écoutez, je pense que là, c'est beaucoup d'intrigues, mais en tout cas, la cérémonie a commencé. Ça, c'est la chose qu'on peut se dire, c'est que la cérémonie de répression a commencé. Donc, voilà. Ça n'engage rien de bon, mais ils n'ont pas perdu de temps, en tout cas. Alors, qu'est-ce que tu as à me dire, toi? On vieillit tous, il faut l'accepter, je ne suis capable de faire mon travail manuel par lequel je me rendrai utile à la société. Je ne mérite pas... Bon, ils sont tous pareils, quoi. Bon, il nous manque la dernière personne. Alors, qu'est-ce que t'as à me dire, toi? Les animaux de compagnie consomment de précieuses ressources sans rien apporter de concret à la société. C'est pourquoi je pense que nous devrions tous en... Ah putain, c'est violent, c'est méchant! J'ai jeté toute la collection de scarabées à de mon ami, je les ai expurgés, voici... venir notre nouvel ordre. Mais... D'accord, ok, il parle de rhinocéros, d'accord. Bah, les insectes en question. Bon. Qu'est-ce que vous allez me dire encore? Moi, une fille de basse lignée, m'imaginer en couple avec le prince Perceval, quel imbécile j'étais. Je dois trouver un compagnon correspondant à mon statut social et vivre une vie sans désir ni fierté inutile. Ça me fait vraiment... D'accord. Bon, d'accord. Bon, jusque-là... Ah, on était bien sur le chemin, d'accord. Donc, faut qu'on aille tout droit. Ah, j'ai pas le surf. Dommage, j'ai pas le surf. Bon bah écoutez, on est parti. Hein. On est parti. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas revenu ici quand même. Hein. Ok, bon, on va pas tout écouter non plus. On n'est pas là que pour ça, on a compris plus ou moins la mentalité de la... On a compris la situation, donc je vois pas l'intérêt d'en reparler. Bon, on va aller directement à la capitale. Bah, on est dans la capitale, vous me direz, mais on est... Ah bon, on va être direct devant le château. Ok, donc le domaine, c'est là, en fait, tout simplement. Enfin, c'est comme ça que je le comprends. C'est là le domaine en question. Ishino no kotte le hito, inai no kana? What? Ça y est, on est dans Kid Icarus maintenant. Wouah, c'est Kid Icarus ou Valkyrie Profile. Je vous laisse le choix. Moi, je préfère largement Valkyrie Profile, c'est plus stylé, même si j'ai jamais joué et je connais pas. Attends. Putain, ils sont niveau 60 par contre, ils déconnent zéro, les gars. C'est des malaxes, hein? Putain, ils ont des gueules différentes, hein. Allez, voilà.
Voilà. Bon. On a l'air d'avoir masse XP les anges là. C'est des malaxes hein. Sbire prophétique, d'accord, ça s'appelle sbire prophétique. Oh, ça c'était beau ça. Bon bah on est parti. Ah, petite artistique, ça fait plaisir. Voilà, dégage l'ange. Nickel. ええ、なんとか。でも、パーシバル殿下と女の子が。さっきの奴らが連れ去ったようじゃな。殿下は私たちを逃がそうとしてくれたのよ。聖霊は感情を残した人間を離宮に集めていると言っていたわ。王子たちを追うわよ。離宮に何があるのかを確かめる。正門はどんな警備が敷かれてるかわからないよ。 Alors attendez, que je sache où je vais. Bah, je pense qu'il faut qu'on aille. Ah, il faut qu'on sorte de la ville là directement, d'accord. Je croyais qu'il fallait qu'on aille au lieu inexploré. Bien, bien, bien. Bon, bah écoutez. On est parti. C'est un peu spécial comme épisode. Bon, pour l'instant, on est encore dans le cru du scénario. C'est-à-dire, on est encore dans la phase sympa du scénario encore. On n'est pas dans la partie molle, encore une fois, d'aller visiter les divers lieux. De toute manière, en soi, les lieux, on les a déjà visités. Donc, ça se trouve, on aura juste à téléporter, ça ira plus vite. Et ça se trouve, le rythme sera tout aussi bien que comme les épisodes précédents. Parce que moi, les épisodes un peu mous où on avance gameplay, on apprend des choses, c'est pas que j'aime pas, mais bon, voilà, c'est comme tous les Tales of, encore une fois, je répète encore. Hop, voilà. Merde, j'ai pas. Ah, j'ai pas envoyé. Voilà. Excusez-moi. À force de le faire, j'en oublie. Bon, on va sortir de la ville. Est-ce que c'est bien là déjà qu'il fallait que j'aille? Sortez Perceval de la villa. Bah, on est sorti là. Peut-être qu'il faut qu'on retourne au bateau, c'est possible aussi. Entrée sur du port, se téléporter à l'ogresse. Merde, attendez, que je sais plus bien. Je sais plus, port de Zexon. Très bien. On va se téléporter, ça ira plus vite. J'espère que c'est bien là où je dois aller, hein, parce que je m'y perds un peu. Ça se trouve, je me suis trompé, c'était pas là. Ça se trouve, il fallait vraiment aller au lieu inexploré pour sortir. Après, c'est pas précisé. Hein. Bon. Ok, bon, visiblement, ça devait pas être là, donc on va se re-téléporter. L'ogresse, voilà. Voilà. Ok, je pense qu'il fallait qu'on aille au lieu inexploré de la carte. Que je pensais que c'était pas là qu'il fallait qu'on aille. Bon. Moi, le seul combat que j'attends pour l'instant, un des combats que j'attends, c'est avec Shigure en tout cas. Parce que c'est le seul qu'on n'ait pas vraiment vu en action contre nous. Enfin, on l'a vu une fois, mais on l'a pas affronté définitivement, c'est ça que je veux dire. Ah, mais attendez, faut peut-être prendre les catacombes, je suis con. Attendez, déjà on va aller là-bas. Déjà, ils ont dit qu'ils rassemblaient les gens qui ont une volonté, donc peut-être qu'ils... Si on va là-bas, ça fait quoi? Il y avait un coffre. D'accord. On va rentrer. D'accord, bah c'est une cathédrale quoi en fait. C'est qu'une cathédrale, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors attends, on va juste activer le pouvoir du vent par contre, parce que ça c'est pratique. Il faut qu'on aille, je pense, tout simplement à la catacombe à mon avis. Hein. Non, vous déconnez, je déconne pas, je suis un peu perdu là. Je suis un peu perdu. On va aller aux catacombes, je sais pas du tout si c'est là. Ils disent sortir de la villa, mais... Moi je veux bien, mais...
Ah ok, donc c'était bien là qu'il fallait aller, ok. さっきのはゴーマじゃなくて精霊だったな。はい。意思を残している人間を集めるよう命じられているのでしょう。カノヌシは未だ不完全ゆえ鎮静しきれぬものも出る。そやつらは精霊を使って強制的に処理するということじゃろうな。処理。たとえそれが王子でも子供でもか。OK. Bien. Bah on est parti, écoutez, hein, alors par contre ça me dit... Bon, on peut même direct se téléporter, hein. Ouais, on peut même direct se téléporter, hein. On a un point de téléportation, là, la petite sphère là qu'on voit sur la carte. On va juste activer la porte, hein, le vent. Hop, voilà. Bon. Bon, pour l'instant ça va, c'est assez calme encore, hein, c'est... On va pas encore se laisser là, hein, parce que je trouve que le suspense est encore pas peut encore être attendu. Ouais, c'est ça. Voilà. On est bien derrière. Ok, c'est bon, on a trouvé le chemin. Waouh, putain, ok. Ah oui, d'accord, je les bute. Ah oui, j'avais complètement oublié ce truc. C'est vrai qu'on peut les buter en fonction du niveau. Je crois que c'est en fonction du niveau, je crois, il me semble. Je sais plus. Allez, on va sortir. Waouh, mais c'est pas vrai, il y en a combien là des salles? Sortez personnel avec la. Bah attendez, je suis bien au bon chemin là. Seul 1, seul 2, seul 3. Attends, je me suis trompé de chemin là. Je me suis trompé de chemin, j'ai l'impression. Oh là 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 là, c'est horrible quand tu te paumes. Ouais, il y a une sauvegarde, donc ça devait être là. J'ai mal lu. Hop, allez, monte. Voilà. Ça devait être là. Voilà. Voilà, je me suis trompé. Pardon. Voilà, la villa l'ogresse. Très bien. Alors, active ton vent, s'il te plaît. Voilà. Ok. Oh là, alors ça fait très longtemps qu'on était parvenu ici. Donc, visiblement, il faut qu'on aille au sous-sol. Hein. Alors, salle des prières. D'accord, donc il faut qu'on monte par où ? Couleur de la villa. Attends, tu vas pas me dire que je me suis trompé quand même, j'espère. Ah non, il faut que j'aille à la salle des prières, donc c'est bon. Oh là là, excusez-moi. Ah, le temps de se remettre en main avec les cartes, là, ça manque. Ok. Voilà, c'est bon. Commence à aller de plus en plus dans le sujet. Eh mais on n'était jamais allé en plus, il me semble, ici. Enfin, ça me dit rien en tout cas. C'est très stylé en tout cas. Allez, assez perdu de temps. Voilà. Donc visiblement on va aller dans. On va. Bah là on est dans le domaine d'Inomina littéralement. Hein, donc, voilà. Nickel. Allez, on est parti. Alors, on est d'accord, ils sont tous du même niveau. Allez, on va les défoncer. Ça sent le petit bon combat de boss après. Voilà. Allez, récupère s'il te plaît. Récupère. Ok. Récupère. Putain. C'est chaud. J'ai pas beaucoup en plus.
Allez, bouffe. Voilà, là tu fais des dégâts et là on se fait plaisir. Voilà. Ça c'était vraiment pour l'exécuter parce que ça me gonflait. Allez, bouffe. Merde. Notre pote est tombé. Voilà, excusez-moi pour la coupure. Petit imprévu encore une fois. Il s'appelle téléphonique. Ça commence à me gonfler. Ils ont masse PV en tout cas, les gars. Allez, bouffe. Voilà, merci pour l'art mystique. Enfin. Ok, excusez-moi. Je suis vraiment navré pour les coups de fil et les textos qui m'encombrent. Je suis vraiment navré. Allez, ça c'est cadeau. Allez, bouffe. Allez, récupère. Oh, c'est beau ça, la petite attaque. Allez. Putain, c'est un gros combat qu'on a pour une fois. Allez. Faut mourir, madame. Allez, bouffe. Parcival, Oji, Buji. Ah, arigato. Furue o kanjiru kokoro wa nokotte iru yō da. Mou daijoubu yo. Anata no mama mo watashi ga sagashite. Mama wa shokkei sareta wa. Watashi. Oh merde, elle a été atteinte.貴重な食料を盗み出したから。でも仕方ないの。断りに反したんだもの。これが人生家の正体なのですね。そう。同志アルトリウスが目指す理想世界だ。汚れと傲慢化の仕組みがある以上、こうするしかない。 だから王国は彼の計画を承認した。だが、私は。 Bon, bah c'est un échec, hein. Porte de l'enfer, très bien. Ruban de mitril.憎しみがない代わりに愛もない世界。世界中がこんなになっちまったのかな。いや、御座に近い王都ですら意志を残したものがいたくらいだからな。だがあまり猶予はなさそうだ。うん、カノヌ氏の領域が広がっていくのを感じる。まだ完全じゃないけど、どんどん強まってるよ。わしらの意識とて いつ沈静化されてしまうかわからんの。王子、グリフォンは元気だよ。そうか、よかった。よかった。本当に今まで私は自分を国のための道具だと思ってきた。だが 心を消されかかった時願ってしまったんだ。怖い、嫌だ。自分をなくしたくないと。私はこの理想世界が恐ろしい。身勝手を承知で頼む。人の沈静化を、同志アルトリウスを止めてくれ。あなた前に言ったわよね。 飛べない鳥は鳥じゃないって。同じように私も心を凍らせた人は生きているとは言えないと思うの。うん、昔の僕がそうだった。だから私たちは私たちとして生きるためにアルトリウスを倒す。
誰に頼まれなくても勝手にね。変わったな、君は。そうね、以前のあなたは憎しみに振り回される剣だった。でも今は自分の意志で剣を振るっているのね。相変わらずさやはないけどね。心配いらないよ、危ない時は僕が守るから。ああ素敵、そんなことを言ってくれる殿方がいるなんて。でしょ、いい男よフィーは。アイゼン副長、アイフリード船長は。俺が肩をつけた。だがこの鎮静化は清涼がアイフリードの誇りを踏みにじって作ったものだ。俺の手でぶち壊す。私も身勝手にあなたたちの成功を祈らせてもらうわ。この世界に生きる醜い人間の一人として。気合が乗ってきたな。椅子をこのまま溝に切り込むか。バカモン、切り込むために準備がいるんじゃろうが。予定通り四聖種を起こしてカノヌシの領域を抑え込むわよ。アルトリウスは沈めの儀式は日の夜までかかると言っていた。儀式の完成が先か四聖種覚醒が先か、賭けだな。悩んでも答えは出ないよ。キララウス火山へ向かおう。はい、鎮静化は断固阻止です。Bon, bah, au moins on a limité la race, entre guillemets. Bah, pour l'instant on a fait que sauver Perceval, pour l'instant. Bah écoutez, donc il faut qu'on aille à Elawes. Ok, ça va, ok. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode 52, ma foi, sympa. Pas mal de choses, donc là, bah littéralement, la cérémonie n'a pas encore commencé, mais elle est en phase, du moins, elle est en phase de se faire. C'est plutôt le domaine qui est en train de se développer. Donc voilà, donc n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire à la vidéo, ça me fera très plaisir, et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.